Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode des Midi Numériques sur le dossier usagers informatisés. Alors je vous rappelle qu'on est en mode webinaire, caméra et micro sont coupés par défaut. Par contre, vous pouvez très bien interagir donc soit en participant, en appuyant sur la petite flèche participer qui vous permettra de monter sur scène et de prendre la parole. Et si vous préférez par écrit, vous avez le chat ou la fonction question qui est en parallèle du chat. Je vous rappelle que la session est enregistrée, ce qui nous permettra, ce qui vous permettra à tous de pouvoir la retrouver après sur notre chaîne YouTube. On vous donnera les coordonnées à la fin du webinaire. Aujourd'hui, nous avons plein d'intervenants. Anne Cazenave de la Nappe qui va nous parler du DUI pour changer, hein, parce que c'est ça notre sujet du moment. Vincent Pardouen, j'espère que je prononce correctement, qui sera là pour nous parler du partage d'expérience sur Imago. Et Claire Bout qui nous fera également un partage d'expérience de son DUI qui doit être Osiris, semble-t-il. C'est ça. Et au sein de vos interlocuteurs au sein du collectif, aujourd'hui on est 3 sur 4, c'est pas mal. Philippe Passy, que vous connaissez par cœur de Yes PACA, du grade expert numérique ANAP, moi-même, et Mehdi Orpea, Bonjour. expert numérique. Alors, je vous rappelle un peu notre programme, on arrive sur la fin, les vacances approchent. Du cycle DUI. Donc aujourd'hui, on est sur la partie retour d'expérience sur le déploiement. La semaine dernière, on avait fait un petit retour plutôt des éditeurs sur la phase de choix, avec un retour d'expérience choix des établissements. Et à 13h30, on parlera d'e-parcours avec Azure Réseau. Donc, on va commencer par les bonnes pratiques avec Anne de la Nappe qui va nous dérouler comment déployer votre DUI. Bonjour à tous. Je vais commencer un peu par les bonnes pratiques. On va reposer un peu les cadres de déploiement du DUI. Vous allez retrouver tous ces éléments dans le kit du déploiement du DUI en ESMS. Vous avez le lien en bas et je crois qu'à la fin de la présentation aussi, le kit est aussi remis pour retrouver tous les liens. Les étapes, déjà, revenir sur les étapes, les grandes étapes de déploiement du DUI. On va avoir la première étape qui va être la définition de la stratégie. Ensuite, on va être sur le choix de la solution. Troisième étape, sur le cadrage et le lancement du projet. Quatrième étape, la réalisation du projet. La cinquième étape, qui est l'avant-dernière étape, qui est l'accompagnement des premiers usages. Et la sixième étape, auquel on ne pense pas toujours, mais qui est essentielle sur le développement des usages, pardon, et de manière durable. Donc, de maintenir en bonne condition l'outil et continuer à le déployer dans la durée, de manière pérenne. Je ne sais pas si c'est moi qui passe les slides ou si c'est vous. Je vais le faire si tu veux. Ouais, parfait, merci. Donc, on a vu les principales étapes de déploiement en appui donc, du directeur. On va voir un peu en détail quels sont les objectifs à chacune des étapes. Donc, sur la première étape, sur la définition de la stratégie, l'idée, voilà, c'est de bien soutenir cette stratégie au sein de l'ESMS, au sein de l'OG. C'est important qu'il y ait un portage qui soit bien posé. Et à cette étape-là également, il est essentiel d'identifier les besoins métiers et les besoins de SI qui sont associés. Voilà, il y a ce travail-là qui est essentiel dans cette phase, dans cette définition de la stratégie. Sur la deuxième étape, qui est le choix de la solution, il est important, lors de ce choix de solution, d'embarquer et de fédérer les professionnels autour de ce projet, et donc de les embarquer sur ce choix de solution, bien sûr. Quand on embarque les professionnels, on fait un choix qui est collectif, on fait un choix qui est lucide sur la solution qui est retenue. Elle ne fait pas tout, elle fait des choses mieux, elle en fait des choses un peu moins bien. Je dis ça de manière très grossière, mais en tous les cas, le choix il est porté collectivement et s'il est bien, enfin, s'il repose bien sur l'étape présente qui fait le lien avec des besoins pour les professionnels, logiquement, ça permet de les embarquer. La troisième étape est donc le cadrage et le lancement du projet. L'idée dans cette étape-là, c'est de bien s'entendre donc sur les objectifs du projet ensemble, sur sa gouvernance, son calendrier,
comment ça va se passer sur les prochains mois ou années, la méthodologie de travail qui va être adoptée et les moyens qui vont être mobilisés. Sur la quatrième étape qui est la réalisation de projet, l'objectif, c'est de mettre en place vraiment la solution adaptée par rapport aux besoins des professionnels. On fait la boucle par rapport à ce qui a été posé au départ. Et c'est aussi l'objectif, c'est de montrer rapidement les premiers résultats, les premiers bénéfices, je dirais même, pour les professionnels de s'emparer de ce nouvel outil. Sur la cinquième étape, qui est l'accompagnement des premiers usages, l'idée, l'objectif, c'est d'apporter une aide qui est très concrète et très opérationnelle aux professionnels pour que, très rapidement, la solution soit adaptée à leurs besoins. Très concrètement, c'est apporter de la formation, des appuis terrain, des guides qui sont souvent déjà parfois proposés par les éditeurs ou par des organismes de formation, parfois pour l'adapter en fait à l'usage qui en est fait par la structure, par l'OG. Et la sixième étape, donc le développement durable des usages, c'est l'objectif de dresser régulièrement des bilans et en parallèle aussi d'accompagner le développement des usages. Alors toujours en mettant des actions très concrètes, on a parlé d'appui de terrain, pourquoi pas les prolonger pendant tout le temps de déploiement de la solution, enfin d'utilisation de la solution. Je veux bien la diapo suivante, s'il vous plaît. Il faut me dire, sur le timing, on est un peu juste. J'essaye de vous faire ça rapidement, parce qu'on a quand même... Bon, parfait. Le projet de déploiement du DUI, donc, il repose, vous l'aurez compris, par rapport à ce qu'on vient de poser là, juste précédemment, sur deux niveaux, un pilotage stratégique et un pilotage opérationnel. Il est important dans le pilotage stratégique de mettre en place une instance qui va décider, type comité stratégique, comité de pilotage, qui va pouvoir poser des arbitrages qui vont structurer la démarche. Bien sûr, on peut se reposer sur des instances qui existent par ailleurs. Dans un contexte de multi-OG, il peut s'agir de rassembler aussi des directeurs qui viennent de différentes structures, de différentes OG. Un autre pilotage qui est essentiel aussi, le deuxième niveau, c'est le pilotage opérationnel. Il est important que ça soit aussi piloté avec des instances qui soient en proximité du projet, avec un nombre quand même de participants qui reste limité, mais qui permet quand même la supervision et la surveillance en temps réel du projet, souvent sur des temporalités plus rapprochées que le pilotage stratégique. Alors après, la manière dont il va s'organiser va dépendre du nombre d'établissements qui sont concernés. L'idée quand même, c'est qu'il y ait une forme de représentativité qui soit présente dans ce pilotage opérationnel pour tenir compte des spécificités des uns et des autres. Oui, si je peux me permettre d'avoir, en tout cas par expérience, les chefs de service, en tout cas des personnes de proximité qui sont vraiment à la manœuvre, qui utilisent au quotidien et qui ont les retours directs des utilisateurs. C'est extrêmement important parce que on voit pas tout quand on est un peu loin de. On a cette vision tableau de bord, mais je pense que c'est vraiment important d'avoir des utilisateurs terrain dans ce type d'instance pour penser aux petits détails qui vont faire toute la différence. Merci. Je propose qu'on passe à la diapo suivante. On voit. Oui. Allez. L'idée ici, c'est de vous dire ou de vous redire, mais peut-être que vous l'avez compris, qu'on va se reposer sur l'implication, enfin, on va compter sur l'implication de différentes typologies d'acteurs. On a le directeur, on l'a vu. On a le chef de projet multi-OG qui va faire le lien. On a aussi le référent DUI qui va être, très opérationnel pour le coup, qui va être très proche du terrain. Le directeur, il va représenter la structure, il va faire le lien, il va interagir de manière très très régulière avec le chef de projet SI sur le projet en question. Le directeur, il va être membre donc, de ce comité stratégique. Il va suivre tous les éléments essentiels à sa conduite, à son pilotage. Il va être en capacité de mobiliser les ressources et les informations nécessaires. On en a parlé des ressources, elles sont mobilisables et mobilisées. Il va être aussi un ambassadeur, il va participer à faire ce consensus autour du DUI, il va bien sûr appuyer le chef de projet et le référent DUI sur cette partie-là. Le chef de projet, le deuxième acteur, le chef de projet multi-OG ESMS, donc il va être le pilote
du déploiement du DUI. Il va coordonner les équipes avec le directeur, en appui avec le directeur. Il va coordonner également les référents DUI. Il va assurer le suivi transversal du projet, de ses différentes actions. Il va faire le lien avec les directeurs, les référents DUI. Il va vraiment être, on voit le petit rond, hein, mais on peut dire que c'est le chef de projet qui va organiser ces informations, enfin, ces échanges entre les uns et les autres. Important aussi, il va organiser, il va co-animer des instances de gouvernance. Voilà, il va permettre qu'elles se tiennent à intervalles réguliers, que les sujets traités nécessaires soient bien traités. Le dernier poste clé, enfin typologie d'acteur clé qui est présenté ici, donc c'est le référent DUI. Il va appuyer son directeur dans son rôle. Il va aussi interagir avec le chef de projet et il va être surtout l'interlocuteur de référence pour les professionnels. Il va être la personne en capacité dans l'établissement à répondre à un peu tout type de questions. Et quand il n'y a pas la capacité de répondre immédiatement, au moins de faire le lien avec le chef de projet, voire d'autres interlocuteurs en fonction des organisations pour débloquer la situation, que voilà, les blocages ne perdurent pas et qu'au contraire, les choses avancent de manière très sereine et que les professionnels se sentent épaulés, appuyés, on l'a vu hein, dans les différentes étapes, pour avancer de manière la plus opérationnelle, concrète et en sécurité pour la prise en charge des personnes et que les professionnels se sentent accompagnés. Je veux bien la slide suivante, s'il n'y a pas de remarques à faire en plus. Avant de conclure encore, on a encore une petite slide là-dessus, c'est de revenir sur les points clés, les facteurs de succès à chaque étape. Sur la première étape qu'on a vue, sur la définition de la stratégie, l'enjeu, hein, c'est d'acculturer les professionnels. Il y a une nouveauté là qui arrive, c'est l'installation du DUI. Il faut acculturer progressivement les professionnels. On le fait à cette phase-là en tous les cas. Sur la deuxième étape, qui est le choix de la solution, il faut être réaliste. Tout n'est pas possible dans un outil. On a parlé de choix concertés entre guillemets sur les étapes précédentes, mais on en est dans cette étape-là, dans cette prise de conscience. Il faut être vigilant. Il y a parfois un écart, et c'est formulé comme ça, entre le discours des éditeurs et la réalité pratique. Donc voilà, il faut garder cet élément en tête au moment du choix de la solution. On l'a vu sur le cadrage du projet, il est essentiel d'avoir une gouvernance qui fonctionne. On a vu les étapes hein, de gouvernance opérationnelle, stratégique, etc. On suit une méthodologie, on met des moyens aussi. Et ensuite, on fait le suivi, bien sûr, de tout ça. Sur la phase de réalisation de projet, attention, point clé, être en capacité de prioriser et de parfois veiller hein, à éviter cet effet tunnel qu'on connaît bien en termes de ce type en termes de projet. Savoir se dire ce qui ne va pas et trouver des solutions collectivement. Il faut lever ces blocages-là. On voit qu'il faut être en alerte par rapport à ça. Et si les instances de gouvernance et la circulation entre les acteurs fonctionnent bien, a priori, on doit trouver des solutions et permettre à tous d'avancer. Sur l'accompagnement, la cinquième étape, l'accompagnement des premiers usages, il faut lancer tôt les actions d'accompagnement au changement. Et identifier les relais de déploiement et les référents. Et ça, vous avez vu tout le rôle intéressant du référent par rapport à cette étape-là. Sur la sixième étape, le développement durable des usages, l'idée, c'est de prolonger et de mettre en place un accompagnement dans la durée, je dirais même pérenne, qui va permettre d'accompagner les changements éventuels, les adaptations, les nouveautés, parfois des nouvelles structures qui arrivent aussi dans une OG, pour voilà, faire en sorte que les choses avancent de manière plus fluide possible. Sur les messages clés à retenir, on en a quatre ici présentés. Donc, on a déployé un DUI, donc c'est un projet pas tout à fait comme les autres. Hein. Les impacts sont importants sur l'ensemble des professionnels et la méthodologie doit être pensée pour bien supporter ce déploiement. Deuxième message clé, l'implication des métiers. Il faut qu'ils soient présents de bout en bout. Des impacts organisationnels doivent être identifiés et mis en œuvre avec l'implication, bien sûr, des métiers. On parle de trouver des solutions, hein. On a vu ça tout à l'instant. Bien sûr, il faut accompagner les usages en quatrième message clé, être au plus proche du terrain et au plus proche des besoins de chacun. Dernier message clé, et on revient beaucoup là-dessus, hein, c'est penser le post-déploiement, une organisation pérenne, c'est le mot que j'ai employé sur la précédente slide. Il faut piloter les évolutions du DUI
et maintenir un paramétrage qui soit en adéquation pardon, avec l'évolution du secteur également. Voilà les messages clés qu'on voulait faire passer ce matin, ce midi. Merci Anne. Et du coup, on va pouvoir passer, enfin, sauf s'il y a des questions, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air. Vu qu'on est un peu juste sur le planning, sur le timing, on va passer au partage d'expérience avec d'abord Vincent qui va nous parler d'ImagoDU avec le déploiement de la solution sur l'UNAPI Alpes-Provence. Oui. Bonjour, bonjour à tous. Du coup, effectivement, moi, je ne travaille actuellement plus à l'UNAPI Alpes-Provence, mais j'ai déployé avec l'UNAPI Alpes-Provence le logiciel Imago sur un certain nombre d'établissements de l'association. Au niveau du partage d'expérience, en fait, tout a été dit par Madame Cazenave, donc il n'y a pas grand chose à rajouter, si ce n'est effectivement... Merci Vincent, à bientôt. Si ce n'est le vécu, mais enfin voilà, toutes les étapes présentées effectivement correspondent bien à la réalité du vécu sur le terrain. Personnellement, moi, j'ai déployé le logiciel sur en plusieurs temps sur plusieurs sites à la fois, mais pas sur la totalité des sites. Et ensuite pour finaliser par une généralisation sur l'ensemble des établissements. Je pense que c'est une bonne stratégie si elle est bien menée. Voilà, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. On a bien vu les différentes étapes qui étaient présentées par Mme Cazenave. Si on ne suit pas ces étapes-là, effectivement, on vient rentrer dans des problématiques et parfois des usines à gaz que l'on crée dans le déploiement. Voilà, si on peut passer la slide suivante. Voilà, merci. Ça va être de la redite, hein, parce qu'en fait, vraiment, tout a été dit. En fait, quand on a déployé vraiment au départ du déploiement, ben, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément le matériel partout. Et donc, à un moment donné, ça pose souci. On n'avait pas les accès Internet qu'il fallait pour pouvoir développer et déployer le logiciel. C'est un peu bête à dire, mais en même temps, on ne se rend pas forcément compte au moment du déploiement que des moyens dont on a besoin. Et je pense que c'est un écueil, du coup. Et donc, un facteur de clé de réussite quand on a quand on a pensé aux choses avant. Il y a un point qui est fondamental, mais qui a déjà été abordé vraiment de façon importante, c'est la question de la gestion en mode projet avec un pilote opérationnel. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus, c'est quelque chose qui vient bloquer un petit peu le déploiement lorsqu'on n'a pas un pilote opérationnel qui est identifié réellement comme tel. Il faut que le choix du logiciel soit suffisamment opérationnel. Lorsque nous, on a déployé Imago au départ, c'était au tout début d'Imago et c'était du coup un petit peu compliqué parce qu'on l'a construit un petit peu à notre comme on le souhaitait, mais en même temps, on avait un outil qui n'était pas au départ pas du tout performant et en termes de déploiement, ça reste un petit peu compliqué, ça prend beaucoup de temps. Et il faut ensuite que le logiciel soit en capacité, enfin le logiciel, l'opérateur en tout cas, soit en capacité de répondre aux besoins d'évolution, ce qui était le cas, mais ça nous a pris beaucoup de temps puisqu'on est vraiment parti d'un squelette vide dans lequel il manquait même des os, donc... pour construire le déploiement, c'était un petit peu compliqué. La question de la communication institutionnelle est très importante. Vous l'avez abordé, Madame Cazenave. Si on ne communique pas suffisamment en amont et sur les objectifs et les moyens que l'on met en place pour les atteindre, voilà, on risque d'être en difficulté. Et alors, vous avez parlé de la place du directeur au niveau opérationnel sur les établissements. Moi, je parle de la place des équipes de direction
Le directeur, il n'est pas, enfin, selon comment sont constituées les organisations, mais le directeur n'est pas forcément tout le temps suffisamment près du terrain. Moi, je parle bien des équipes de direction avec les chefs de service qui, de façon très opérationnelle, doivent pouvoir être des acteurs pilotes du déploiement, de façon à ce qu'ils. Enfin, ce sont eux qui portent dans le quotidien et sur les établissements sur lesquels on déploie le logiciel, c'est eux qui portent ce déploiement en termes de dynamique. Il faut également, me semble-t-il, et quelquefois on n'a pas forcément la vision au départ, la vision complète de tout ça, une évaluation précise des besoins budgétaires sur le long terme, pour pouvoir les déployer justement sur le long terme et pas simplement investir au départ sur un logiciel. Il y a des besoins de financement qui sont qui viennent se décliner au fur et à mesure du déploiement. Et voilà, je pense que cette question de pouvoir le mettre en perspective et dans le temps, c'est quelque chose qu'il faut envisager dès le départ et ne pas se dire j'achète le jeu logiciel et c'est fait. Non, il y a pas mal de choses après, que ce soit en termes de formation, mais en termes de remplacement de matériel, parce qu'on s'aperçoit que finalement, le matériel que l'on a n'est pas totalement le matériel qu'il faut pour les accès, etc. La question des droits d'accès en fonction des besoins réels, ça aussi, c'est quelque chose qui est à définir. Et en termes... du coup, très opérationnel, hein, le besoin, il faut que les profils, en tout cas, soient définis en amont et que l'on puisse avoir des profils type, quels que soient les établissements, pour ne pas créer des usines à gaz derrière sur les paramétrages. La question de la formation, vous en avez également parlé de façon importante, mais la question de la formation, elle est primordiale. On avait, nous, fait le choix de former des professionnels en interne qui, du coup, étaient vraiment des référents, finalement, de terrain hein, et qui ont pu déployer le logiciel. Imago a permis, effectivement, une prise en main assez facile et, du coup, les formateurs internes ont pu former leurs collègues de travail sur les établissements assez facilement, mais il a fallu les accompagner pour leur donner aussi du temps pour former leurs collègues. Et sur le choix de ces professionnels, on n'est pas forcément, quand on a lancé le déploiement, on n'est pas forcément allé chercher des professionnels qui étaient forts en informatique. Ça a permis à ceux qui ne se sentaient pas forcément à l'aise en informatique, mais qui savaient communiquer auprès de leurs collègues, de voir que le logiciel était accessible et ils ont pu du coup vraiment travailler la question de l'utilisation sans qu'on vienne leur dire oui, mais c'est parce que tu es fort en informatique. Non, c'est voilà. Cette question-là, moi, elle me semble vraiment importante et pas simplement au moment du déploiement. Le logiciel, en général, les logiciels sont des logiciels qui vivent, qui évoluent, et il y a vraiment nécessité que l'on revienne former ces groupes de référents ou pilotes, selon comment on veut les appeler, de façon à ce que ça puisse vraiment se déployer facilement. On va essayer juste, enfin, sauf si tu as encore quelque chose à dire de très important. Le reste avait été dit, mais voilà, je viens confirmer tout ce qui avait été dit et sur l'opérationnel, c'est vraiment important. Après, je pense que Claire va compléter, de toute façon, ça va aller dans le même sens, j'imagine. En tout cas, en termes de bonnes pratiques, on va s'y retrouver. Donc, c'est vrai que je n'ai pas de chance, je passe après... Oui. Deux personnes qui ont pratiquement tout dit. Donc, je vais essayer d'être originale et de reprendre juste les points sur lesquels il faut vraiment faire très, très attention.
Donc, le premier point, c'est il faut absolument que la direction générale et les cadres soient porteurs du projet. S'ils ne sont pas porteurs, ça ne fonctionnera pas. Donc, ça, c'était la première chose. Et puis après, nous, on a fonctionné avec trois cibles. La première, c'était que ça s'imposait à toutes les structures d'utiliser le logiciel. Ce n'était pas négociable. Ça veut dire que, par exemple, on a supprimé les autres outils qui existaient, c'est-à-dire qu'on a défini une date et ce jour-là, on a fermé tous les cahiers de transmission, on a tout agrafé et on a dit maintenant tout passera par le logiciel. Donc, on a été assez directif pour certains points et ça a permis finalement d'aider au développement. La deuxième chose, c'est que notre objectif, c'est que tout le monde utilise Ogiris, quelles que soient les équipes pluridisciplinaires. Donc, pour permettre cette utilisation, on a fait un travail de soutien énorme. C'est-à-dire que moi, je suis chef de projet depuis le début, depuis 2018. Je suis toujours chef de projet parce que le projet, il est toujours vivant et le projet, il est toujours en évolution. Donc, je suis à la fois chargée de gérer les évolutions et d'accompagner, mais aussi tout ce qui va être formation, puisque nous avons fait le choix d'avoir deux formateurs internes, ce qui veut dire que nous déployons des formations établissement par établissement. Alors, il y a des moments où on va faire des formations par corps de métier, des moments où on va faire des formations par établissement, des moments où on va faire des formations par thème. Au fur et à mesure que l'utilisation du logiciel se développe, nous, on cale derrière les formations. Et en particularité, on a par exemple formé les surveillants de nuit. Et c'est des formations qu'on a fait la nuit. Donc, ça a permis de les associer et d'associer tout le monde finalement à l'utilisation du logiciel. Mais il n'y a pas que la formation et l'utilisation. Derrière, ben, ça veut dire qu'on commence à travailler sur les écrits à l'ère du numérique. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines formations à l'utilisation de l'outil, mais derrière, il va falloir aussi penser à utiliser, enfin, à développer d'autres formations qu'on n'avait peut-être pas forcément imaginées. Et puis, le troisième point, ma troisième cible, qui est de pérenniser l'outil. Donc, pour pérenniser, eh ben, plus on est autonome par rapport à l'éditeur de logiciel, mieux c'est, parce que ça nous permet de faire des paramétrages qui nous sont importants, qui nous sont personnels. Et quand on fait des paramétrages qui ressemblent au quotidien de nos structures, forcément, il y a beaucoup plus d'adhésion de la part des professionnels. C'est beaucoup plus simple pour les emmener avec nous. Et puis, on a aussi retravaillé toutes nos procédures pour intégrer systématiquement Ogiris dans les procédures, de façon à ce que ce soit un outil. Alors, le but n'est pas de remplir le logiciel, mais le but, c'est d'avoir un outil qui nous permette de développer un accompagnement qui est le plus performant possible. Voilà. Donc, merci beaucoup. J'essaie d'être concise. Mais c'est parfait et c'était vraiment très intéressant aussi. C'est vrai qu'on voit bien que par rapport à ce qu'a pu dire Anne de la Nappe, on s'y retrouve dans les pratiques réussies des établissements. Hein, enfin Mais je pense qu'on a été bien accompagnés au départ sur le développement du logiciel. Oui, c'est important. C'est quoi cette petite sonnerie? Ouais, pour nous dire qu'il est bientôt l'heure de conclure et donc je remercie, non c'était pas du tout ça, je ne sais pas, c'est un téléphone, je ne sais pas, mais en tout cas un grand merci à toutes et à tous nos témoins du jour. Je pense que c'était, bon, on a pris un peu plus de temps, mais c'était intéressant hein, d'avoir ce témoignage et puis cette confirmation, ces quelques points d'attention des uns et des autres. On vous met le lien là, sur le kit de déploiement d'EMI, ressources de la NAP, qui va bien dans la thématique. Et vous retrouvez hein, sur le site de la NAP d'autres kits, le kit du directeur, le kit du DSI, un certain nombre de documents qui sont vraiment adaptés. Sur la conclusion, donc, nous vous attendons le 6, celles et ceux qui veulent participer au deuxième groupe de travail du collectif. Donc là, on a 2 heures, hein, de 10h à midi, en visio, où on fera un partage de l'actualité du numérique pour le secteur, travailler sur les outils de diagnostic, de cartographie, et puis parler projets à venir et projets
projets innovants. Hein, on essaie de parler aussi des appels à projets autour de l'innovation, structure 3.0 et tiers-lieux. Donc, un temps d'échange avec vous tous et voir ce qu'au niveau du collectif, on est capable de faire. Vous dire et vous rappeler les liens, les formulaires pour rentrer en contact et avoir de l'aide dans le cadre du plan ESMS numérique et des financements SOMS et OU. Voilà, donc n'hésitez pas, on revient vers vous et on essaye de vous accompagner dans la création des grappes et dans le dossier de réponse. Et puis, comme le disait Marie-Aude en préambule, notre chaîne YouTube, où vous retrouvez ce webinaire en replay d'ici la fin de la semaine et l'ensemble des autres webinaires passés. Et on vous retrouve, on vous communiquera le planning des prochains webinaires de la rentrée post-vacances scolaires jusqu'à la fin de l'année scolaire. Il ne reste plus qu'à vous remercier et à vous dire donc à mercredi au 6 pour le prochain GT. Merci beaucoup. C'est demain, mercredi. Oui. À demain. À demain. Ouais. Merci. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.